Oui. Yarama SODAGRI, nous cultivons l'autosuffisance. Yarama DG Moussa Baldé. Kemobe, avant de m'en marouer, qu'est-ce que vous voyez? Demain, quand y'en t'en con, y'en t'en con, y'en t'en con. Demain, quand y'en t'en con, y'en t'en con. Souka avec y'a pas de l'ico, on en a pas qu'à l'aide men. Souka avec y'a pas de l'ico, on en a pas qu'à l'aide men. Demain, quand y'en t'en con, y'en t'en con, y'en t'en con. Demain, quand y'en t'en con, y'en t'en con. Souka avec y'a pas de l'ico, on en a pas qu'à l'aide men. Souka avec y'a pas de l'ico, on en a pas qu'à l'aide men. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne TACE ART TV. Aujourd'hui, nous avons un immense plaisir d'être là, ici à Saré Guéladio, dans le département de Medina Yere Fula et dans la commune de Bignar Rabé, avec M. Souleymane Diallo, le chef d'antenne de la SODAGRI. Il y a M. Bakary Sané qui est là et M. Toumani, ces gens-là qui forment cette équipe de la SODAGRI et qui accompagnent les producteurs de riz. Donc, nous allons aujourd'hui débattre sur le thème Conseil agricole rural, formation, rôle et stratégie d'appui de la SODAGRI. Musibe, on chalminama, on jurama, on yaganama, jam ekisal. Musibe, nenganitan émission meden, vie environnement, do etas art TV, kanyebe me musibe, mbombe SODAGRI. Moni Hombo, chef d'antenne de la SODAGRI, M. Souleymane Diallo, et nous avons dit Maoba, Hande, Garden, Saré Guéladio, le 10 octobre, Inch'Allah, le 17, et Ndjahat Velengra. Nous avons dit que 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 SODAGRI. Garden do l'arde, garden et équipe mo SODAGRI. Comme j'ai l'habitude de dire souvent que l'émission, que ce soit en français, en poulard ou en wolof, c'est l'essentiel de comprendre le concept. Misal meni on inde SODAGRI et Allah wali hande be kebi nyalane mojunde sabu sugabe be yi annomi hono bahari en be yi annomi gara do am do hande Allah e mojjere mudun mane arido Souleymane Diallo arido on jogi antenne do KOLDA do affaire SODAGRI mi weltima arande mabbe do be yi ko ko be poti ligare do mi inde SODAGRI ka be nyam ligode e mu'en min kebanim si e mu'en saw be puntani minen awdi ndi arana minen law mi ngawa law mi cionya law kala mi jibadu men nyamane mo 100% mi da heddale juuda men mi nyaagi man SODAGRI be mbakilo balla minen minen ko mi jidde remde mi ngala materiel sabu wasani bi yi rooni mo wadi demande materiel ha ari e juude patron o mo wadi demande tracteur pour inde rogo e inde cooperative amen Saré Guéladio amen jogi cooperative inde cooperative o me mbadi demande tracteur o yayi e juude patron yi Allah inde patron e dari hen hannon buri weydude sabu mawdo ari mawdo yottima do e buri weydude hen sabu mawdo nani Diallo nani dum Souleymane Diallo nani dum ho ko min banno demande kala mo yi kayri di kala mo yi himbe be ligoda minimbe kala mo yi kete ligere den de ha min de rebe Saré Guéladio ko andal matri tampini bi hen hinde rebe ba wuro tunundu sabo jogi leydi mun jogi himme mun jogi ligge mudum du wawata junde hala be ko presidente bo heba ko hali wassalam. Voilà musibe on nani mawdo ko haliko e sengonde mabbe ka e dum woni hodum ko gal do balal gal ganduda SODAGRI ini tinani be tigi e jaha kala ndien oda debbo mo ganduda kany woni presidento ganden no mo wire mo halna en ko hono ndema ka woni rido tinnare e wakilare ko do buri weydude dum woni horo rewbe be Saré Guéladio sabu e wodi worbe gombe baawo mabbe e be ganduda woni equipe mo SODAGRI. Salam alaikum madame. Ma alaikum salam. Mi salmini on dole on tinnima garal mawdum min beltima tigi minen derewbe Saré Guéladio ko angal ligore min godi kono ha min gadda ta min gaddarama awdi law on jii awdinde do ko balli amen di min ligori dum sabu min danno materiel affaire dumani tracteur o to biñarabi don ko dum tardini minen do seeda materiel do min gala tracteur minen nyaagi on Allah e nelado Allah bay on parama mine ligode mine jidi ligode e modon balle mine materiel sirti tracteur ko tracteur o woni min gala mine nyaagi on dum dimmel mudum mine jetta on mine rewbe Saré Guéladio minen do
ko ligger ha min badi haaju sabu wana ga faraji ga wana ro forasto menen jogi foras menen jogi faraji faraji ameddi ko leydi menen kam jogi normal no bere wana seeda ko angal liggore min woni min gala maria maso a hali hala ndemaka on pala materiel ji est ce que wana sodagri walli on pour farango fotani yaaje ko sodagri walli minen awdi sodagri hikka ko lawmo okki minen awdi law bakari noddi minen biñarabe min jahani awdi ndi min gaddi min pecci non min demi min kittini ndogo min demi min gawi law alhamdulillah min ji inna fore mudum de no bere wana seeda ono rewbe be ko jelo foddon sengo groupement mada he sengo ndemaka minen rewbe be ko minen chapande jeego rewbe be minen chapande jeego e ndema amen minen groupement amen do chapande jeego ne do minen hen ha hodum bawra wiide e ngal do ballal ngal ganduda sodagri wadani on ala ko mbawmi don waldo ala ko mbawmi halde sana mine jara bakari mino fala bakari beydana mine ballal bungal non wanaro awdito wanaro materiel to wanaro to engrais to mine mankora engrais no bere wana seeda e materiel do awdi ndi kam mine nyaagi bakari walla mine dum law. Voilà les téléspectateurs, vous voyez que je suis à côté du chef d'antenne de la SODAGRI, M. Souleymane Diallo, que vous connaissez tous. Bonsoir, M. Souleymane. Bonsoir, Mme Baldé. Donc, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Souleymane Diallo, je suis le chef d'antenne de la SODAGRI pour le compte de la région de KOLDA, c'est-à-dire les départements de Vedingara, KOLDA et Medina Irofola. M. Souleymane Diallo, vous avez choisi le thème conseil agricole rurale, formation, rôle et stratégie d'appui, conseil de la SODAGRI. Pouvez-vous revenir sur ce concept pour juste faire comprendre aux téléspectateurs ce que ça signifie? Merci beaucoup. Vraiment, le conseil agricole et rural, c'est une approche, c'est un domaine. Vraiment, dans tout le dispositif de la SODAGRI, nous avons le conseil agricole qui est censé être plus proche des producteurs, qui est censé recueillir l'ensemble, en tout cas, des difficultés, des doléances des producteurs. Tout ce que le producteur X veut dans une localité X, c'est au conseil agricole affecté dans cette localité X-là qui doit remonter, en tout cas, l'information. Donc, la stratégie de conseil agricole, de façon vraiment résumée, c'est qu'il y a deux allées. Il y a l'administration, c'est-à-dire au niveau du directeur général, direction générale, direction technique, au niveau de l'antenne. Mais après, il y a le conseil agricole sur le terrain, qui est en tout cas l'attribut en quelque sorte entre le producteur et l'administration centrale, c'est-à-dire au niveau de l'antenne. Le conseil agricole dépend directement du chef d'antenne. Donc, il est là pour recueillir l'ensemble des doléances du producteur. Et au niveau de chaque campagne, il fait un travail en fait. Le conseil agricole, c'est un poste. Le conseil agricole, c'est un agent. C'est un agent qui effectue en tout cas tout ce qui est travail de terrain au niveau de la localité, là où il est affecté. Donc il est aidé par des relais au niveau local, dans une commune donnée ou dans deux ou trois communes données. Le conseil agricole coiffe un certain nombre de relais et dans toute la zone d'intervention de la SODAGRI, nous avons en tout cas un pool de conseils agricoles qui en tout cas intervient dans tous ces départements, au niveau des 16 départements, si je peux extrapoler un peu au niveau de toute la zone d'intervention de la SODAGRI. Mais concernant la région de KOLDA, les conseils agricoles sont dans tous les départements accompagnés par des relais pour assurer vraiment le suivi de l'ensemble des travaux de la SODAGRI dans ces zones déterminées. Voilà, comme vous venez de le dire, M. Souleymane Diallo, est-ce qu'avec les nouvelles technologies, c'est important d'avoir un conseil agricole? Je peux dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, le conseil agricole vaut vraiment la peine, en tout cas sur le terrain, même si les nouvelles technologies de l'information et de la communication vraiment ont eu un grand boom ces dernières années. Mais le conseil agricole peut s'appuyer en tout cas sur ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux assurer, en tout cas mieux suivre les producteurs sur le terrain. Donc de façon très simple, je peux dire que le conseil agricole vraiment vaut la chandelle au jour d'aujourd'hui dans toute la zone d'intervention de la SODAGRI. Pourquoi? Parce que c'est un individu vivant. C'est un individu vivant, ce n'est pas une machine. Donc, qui peut utiliser l'avancée, en tout cas, de ces technologies pour pouvoir mieux faire son travail, en tout cas, sur le terrain.
Merci. Voilà, comme nous parlons d'aujourd'hui, est-ce qu'avant, c'est-à-dire le début, il y avait des conseils d'agricole au niveau de la SODAGRI? Donc, pour cela, il y a toujours eu des conseils agricoles. Parce qu'en fait, un conseil agricole est affecté quelque part vu les potentialités de la zone. Donc, pour qu'on ait un conseil agricole qui suit du riz quelque part, en tout cas dans la région de KOLDA, il faut qu'il y ait des producteurs de riz dans cette zone-là, il faut qu'il y ait des bas-fonds, il faut qu'il y ait du bon plateau avec des variétés adaptées, il faut qu'il y ait en tout cas la ressource humaine et le potentiel. Donc, M. Bakary Sané, par exemple, est affecté dans la zone de Saré Guéladio, dans le département de Medina Yerefoula, dans la commune de Bignarabé. C'est parce qu'il y a un potentiel ici, dans cette commune, dans ce village. Donc, si nous regardons de façon globale, en tout cas, dans toute la zone d'intervention de la SODAGRI, maintenant, nous pouvons même aller au-delà des bas-fonds. Parce qu'on a vu, lors des dernières, en tout cas, de toutes ces dernières années, on a vu l'importance du plateau au niveau de toute la zone d'intervention de la SODAGRI et l'importance, en tout cas, de la riziculture de plateau pour pouvoir atteindre cette autosuffisance alimentaire. Donc, vraiment, nous encourageons, en tout cas, les producteurs du village de Saré Guéladio, nous encourageons tous les producteurs, en tout cas, de la commune de Bignarabé à redoubler d'efforts. En ce qui nous concerne, nous, SODAGRI, nous ferons tout, en tout cas, pour les accompagner afin qu'ils puissent vraiment atteindre une bonne production et une bonne productivité, en tout cas, allant dans ce sens. Voilà, par rapport aux appuis, est-ce que c'est le conseil qui est chargé de les amener, c'est-à-dire les appuis, ou bien comment ça se passe? Les appuis, ça vient toujours, en tout cas, de l'administration centrale, je veux dire de la direction générale. Tout vient de la direction générale en passant par la direction technique et au niveau des antennes. Maintenant, quand il y a quelque chose de nouveau, les appuis, nous pouvons d'abord parler du labour, parce que nous faisons de la prestation de services concernant le labour dans toute la zone d'intervention. Aujourd'hui, nous savons que le nombre de tracteurs ne peut pas suffire, cause pour laquelle tantôt le producteur, en tout cas la présidente et le chef de village ont parlé en tout cas du manque de tracteurs dans la zone. C'est parce que l'État fait des efforts, ok, on est d'accord, mais jusqu'à présent, en tout cas, il reste quelques poches qui n'ont pas encore de tracteurs. Et là, on va veiller à ça. Nous allons en tout cas les accompagner à ce qu'ils puissent en tout cas être vraiment autonomes dans leurs activités. Donc, si je regarde bien, les appuis peuvent être scindés à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le labour, il y a les semences, il y a les engrais avec l'accord, en tout cas le partenariat tripartite entre la SODAGRI, la DER et la SERAP. Donc, normalement, en tout cas, depuis l'année passée, l'ADER accompagne les producteurs de la SODAGRI dans toute sa zone d'intervention. Après, nous avons le matériel post-récolte, toujours dans le cadre de cet appui de l'ADER. Le matériel post-récolte, c'est-à-dire des batteuses, des décortiqueuses, des motofaucheuses, des motoculteurs, pour pouvoir vraiment accompagner ce producteur-là à pouvoir vraiment être autosuffisant dans ce qu'il fait. Être autosuffisant, en tout cas, en riz, au niveau de sa famille, au niveau de son village, au niveau de son quartier. Donc, vraiment, les appuis de la SODAGRI, on ne peut pas tous les énumérer parce que tout simplement, ils sont énormes. Si nous venons sur la dynamique organisationnelle, la dynamique organisationnelle, c'est essayer d'abord de les organiser. Ils ont parlé de groupement, du groupement de Saré Guéladio. Il y a une coopérative ici et ça, c'est un travail qui a été déjà fait. Parce qu'avant d'accompagner quelqu'un, il faut d'abord le réorganiser, réorganiser en tout cas sa façon de faire et essayer de le former. Parce qu'en fait, tout ça, ça entre dans le cadre de la formation. Nous, ce que nous faisons ici à la SODAGRI, quand on parle de formation, nous pouvons dire que nous faisons une formation continue. Parce que la formation, c'est d'abord attirer le producteur vers la riziculture, essayer de le faire comprendre qu'est-ce que c'est que la riziculture, qu'est-ce qu'il va faire, quels sont les itinéraires techniques, qu'est-ce qu'il va faire en tout cas au niveau du champ. Donc la formation, elle est, je peux dire, continue. Donc franchement, les appuis de la SODAGRI sont énormes au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je prends de 1978 à 2015, on était au niveau du périmètre aménagé. Donc de 2015 à 2020, nous sommes dans les plateaux où les gens ne connaissaient que le riz de façon traditionnelle. Donc ce sont nos vieilles mamans qui étaient au niveau des rizières. Donc quand la SODAGRI vient apporter en tout cas sa pierre à l'édifice, c'est essayer tout simplement de former ces gens-là. De les former afin qu'ils puissent vraiment comprendre le domaine, comprendre ce que c'est que la riziculture et essayer en tout cas d'aller de leurs propres ailes.
Merci. Voilà, Monsieur Souleymane Diallo, chef d'antenne de la SODAGRI, je vous remercie. Voilà, Moussibé, en garde nos hadoran, yudu de bedo meden Moussibé, nde mo bedo, et Saré Guéladio, ngondu no dendo, ko chef d'antenne de la SODAGRI, Monsieur Souleymane Diallo, et émission meden vie et environnement. C'est un immense plaisir. Vraiment, nous sommes à terme de notre émission. On était là avec l'équipe de la SODAGRI, avec TACE ART TV. Permettez-moi d'abord de remercier les techniciens de TACE ART, Ibrahima Baldé, Kadiatou Tcham et toute l'équipe de la SODAGRI et Monsieur Sidi Baldé, hein, qui est le chef de village de Saré Guéladio. On vous donne rendez-vous sur un autre numéro, le 17, Inch'Allah, à Velengra. Je vous remercie.